Vidéo un peu spéciale pour deux raisons. La première, j'ai été obligé de remettre ma 36, ma Fox, parce que ma Lyric est en répar, entretien, voilà, un petit truc à faire dessus, rien de grave. Du coup, c'est l'occasion de comparer les deux, parce que du coup, ça fait quand même quelques mois que je roule la Lyric et je pense que c'est intéressant de savoir, de voir. Là, après ces quelques mois, le retour sur celle-là, je l'ai réglé a priori à peu près pareil. Là, je vois déjà dans la montée un peu éclatée. C'est pas pareil, elle est plus, à la limite, elle est plus adaptée pour ça, j'ai l'impression. Elle est un peu plus rigide. Bref, je pense que je ferai le point sur ces deux, sur la suspension, sur le comparatif Lyric 36. Je le ferai à la fin de la vidéo. La deuxième chose spéciale de la journée, c'est ça. La terre est humide, il a plu, donc c'est fou. Voilà. Donc rien que pour ça, ça méritait une vidéo. Allez, feu. Allez, montée de la mort. Ouais. Raté. Ça drift, hein. La semaine dernière, c'était trop sec, ça driftait. Là, les dalles mouillées, ça drift aussi. Galère, hein. Let's go. Ah ouais. Ah, c'est pas la même là. Oh là là. Bonheur. Waouh, oui, la terre fraîche là. Miam miam. La face qu'il y avait au milieu, il était pas beau. Oh, la branche, elle m'a fait freiner de l'avant. Wow. Ouais, je veux ma Lyric. Au secours. C'était très wild. Mon dieu, la fourche, c'est un enfer. Un enfer. Je perds l'avant partout. Bon, du coup, 5. Que là, je sentais vraiment l'avant partir. Je sais pas. Il y a la sensibilité, mais bon. Ça a l'air bien. Ça a l'air un peu plus cohérent avec derrière. Bon, du coup, j'en ai fait une première qui n'était pas vraiment une descente. Une deuxième qui était une descente bien longue. Maintenant, on va en faire une avec beaucoup plus de technicité et d'engagement, histoire de tester vraiment sur trois types de trucs de descente différentes.
sachant que la première c'était quand même plutôt une montée quoi. Le profil n'était pas uniquement descendant. Bon ben allez. La 2 avec la pluie, ça devrait être drôle. Hein. Alors on va quand même peut-être faire un truc aussi qui est pas mal, c'est ça. Les petites mimines, les petits poignets. Le chantier. Oh, le chantier en bas. N'importe quoi. Alors, ça va être très rapide. En gros, la 36 comparée à la Lyrique, c'est plus rigide, moins facile à régler. Et franchement, si c'est parce que je l'ai mal réglé, ok, c'est ma faute, mais c'est vraiment pas agréable. Enfin, moi, je trouve que c'est la rigidité qui me va pas, parce qu'on a un terrain quand même assez défoncé ici, et que j'ai mis peut-être 5 PSI de trop comparé à ma Lyrique. Elle est bien réglée, la preuve, hein, j'ai le joint torique, j'avais même pas fait gaffe, qui a quasi embuté. En gros, la nouvelle Lyrique avec le système Buttercup est vraiment, vraiment beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable, quoi. Je pense que Fox perd du terrain sur RockShox. Si je parle de ça, pas de surprise. Là, trop de surprise. Pas bon. Bon, bref, allez, tchuss. Abonnez-vous, likez, tout ce que vous voulez, commentez, ça fait plaisir. Même si c'est pour dire que j'ai pas le casque, parce que la dernière fois, j'ai quand même quelqu'un qui m'a dit oh, ce serait bien de pas montrer le mauvais exemple. Oui, alors oui, mais c'était sur une portion de 20 mètres de route. Voilà, j'avais pris mon casque à la main comme ça pour dire coucou. Bon bref, j'y en veux pas du tout d'ailleurs. C'est voilà, c'est bien, ça lui a permis de... Voilà, allez, tchuss, bisous.